Est-ce que l'un d'entre vous peut partager le travail qu'il a eu à faire hier par rapport à ce que j'ai laissé comme tâche? Que ce soit Tchafa ou Photo ou encore je vois JR et je vois Claude, que l'un d'entre vous partage son travail, que je puisse voir comment est-ce que les tables ont été créées par ce que j'ai laissé comme travail hier. D'accord, j'ai un petit peu encore des problèmes d'installation dans SQL. Gilles, quel est ton souci avec l'installation de MySQL? Gilles, quel est ton souci avec l'installation de MySQL, connexion au serveur? Est-ce que tu as regardé le lien vidéo que le docteur a envoyé tout à l'heure? Le même lien qu'il a envoyé pour qu'il a envoyé dans le fil de conversation. Le lien qu'il a envoyé dans le fil de conversation s'explique comment est-ce que tu peux. La procédure à suivre pour installer, pour facilement installer MySQL. Et pour se connecter au serveur, si on t'a demandé un mot de passe, ça veut dire que tu as eu un bien ton mot de passe dès le départ. Vous te souvenez du mot de passe que tu as eu à mettre. Et si on te dit que c'est un problème de connexion au serveur, ça veut dire que tu avais déjà eu à créer le serveur. Et que maintenant, pour se connecter, il faudrait que tu puisses avoir les accès que tu as eu à définir dès le départ. Bon, je vois que j'espère que vous allez vous présenter au cours lors de la prochaine session. Nous allons limiter notre séance d'aujourd'hui où nous sommes arrêtés hier. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons débuter notre session aujourd'hui. Oui, Tchafa, tu as regardé, est-ce que tu as donc pu installer correctement la SQL Workbench? Apparemment, tu as des problèmes de connexion, des problèmes de connexion de ton côté. C'est le signal. Il y a
Ta voix lorsqu'elle arrive est assez saccadée. Je ne vois pas ton écran. Tu as commencé à partager l'écran, je vois. Je ne sais pas si je suis la seule personne à avoir ce problème. Alors, je vais partager mon écran. Bon, nous sommes arrêtés hier. Alors, j'espère que vous tous voyez mon écran. Est-ce que vous tous voyez mon écran? Est-ce que vous tous, vous voyez mon écran? Que ce soit Blue, que ce soit Chafa, que ce soit JR, que ce soit Galaxy, Galaxy Tab. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez ce que je partage? Oui. D'accord. Ok. Donc, c'est ici que nous sommes arrêtés hier. Nous avons stoppé notre progression sur ce chemin. Hier, il était question pour vous de créer cette table-ci. C'est question pour vous de créer cette table-ci. Alors, donc, j'aurais vraiment voulu que vous présentiez comment est-ce que vous avez créé les tables et la syntaxe que vous avez utilisée par rapport à ce que nous avons fait. Et surtout au niveau de la table account role, j'aurais vraiment voulu voir la syntaxe que vous avez utilisée. Alors, ce que je vous proposerai, c'est que lors de la prochaine séance, que vous présentez cela. Vous me présentez le travail que vous avez eu à faire et s'il y a des choses à modifier ou bien s'il y a des réserves à apporter, je vous dirai, je vous ferai part de cela. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous allons passer à tout ce qui peut être la manipulation des données à l'intérieur d'une table. Donc, que ce soit la suppression. Que ce soit la suppression, que ce soit la mise à jour des données dans la table, ou encore la modification des données dans la table. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les différentes actions que l'on peut mener sur une table ou sur des lignes de table, ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la première chose, le premier, élément, bien la première clause qui nous interpelle est celle de l'insertion des données dans la table. C'est la première clause qui nous interpelle. Donc, ici, quand on décide de créer une table, au départ, la table n'est pas censée contenir des informations comme vous avez pu le voir hier. La table est vide. Donc, tous les champs de la table ont des valeurs nulles. Vous avez vu nul écrit
sur les différentes chambres de table hier. Donc, quand on crée dans une table, au départ, elle est vide. Et c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps pour qu'on puisse commencer à l'utiliser pour avoir des données. Il faut bien qu'elle soit remplie de données. Et c'est pour cela qu'on va chercher à insérer les données dans la table. Et pour ce faire, ce qu'on utilise comme clause, c'est insert. Donc, on va utiliser insert pour insérer les données dans la table. Dans le cadre de l'insertion, on peut insérer une ligne de données ou plusieurs lignes de données. Donc, nous allons voir ensemble à quoi ressemble la syntaxe. Alors, la syntaxe pour l'insertion des données dans une table, on utilise la clause insert into, on met on utilise la clause insert into et on donne le nom de la table, puis entre parenthèses, on spécifie les différentes colonnes qui seront impactées par les données qui sont insérées. Ensuite, on va utiliser values pour donner les valeurs à insérer dans les différentes colonnes qui ont été mentionnées pour l'insertion de données dans la table. Donc, on va spécifier la table dans laquelle on souhaite insérer les données. Entre parenthèses, on va indiquer les colonnes concernées. Ensuite, on va indiquer les valeurs des colonnes concernées, entre parenthèses, en utilisant values. Ça, c'est pour insérer je peux dire, une seule ligne de données. Maintenant, si l'on veut insérer plusieurs lignes de données, on va réutiliser la structure d'insertion d'une ligne de données à la seule différence qu'au niveau de values, chaque ligne de données sera encadrée par une parenthèse et séparée par l'autre ligne de données par une virgule. Comme vous pouvez le voir ici, elle sera séparée par une virgule. Donc, ici, il y a une ligne de données que nous avons et on a notre virgule là qui nous permet de séparer cette ligne-ci de la seconde. Donc, on peut le faire. Si nous avons 1000 lignes à insérer, on finit d'écrire nos 1000 lignes que nous avons insérées. À la fin, on clôture par un point virgule. Parce que si on suppose qu'une instruction sur laquelle nous travaillons prend fin. Donc, une fois qu'on l'a fait, on suppose que c'est bon, c'est terminé et on peut donc avancer pour faire autre chose. Donc, ce que nous allons faire pour que ça ne vous paraisse pas trop lourd ou bien moins digeste, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur MySQL Workbench. Nous allons aller sur MySQL Workbench et nous allons essayer de mettre cela en pratique. Alors, ce que nous allons faire sur MySQL Workbench, c'est que nous allons créer à l'intérieur de la base de données Retimer, nous allons créer une autre table. Donc, qui peut me rappeler la syntaxe de la création d'une table, s'il vous plaît? Qui peut me rappeler la syntaxe de création d'une table? Qui peut me rappeler la syntaxe de création d'une table? Est-ce que vous m'entendez?
pour la synthèse de création. Est-ce que J.A. peut nous rappeler la syntaxe utilisée pour la création d'une table? Est-ce que J.A. peut nous rappeler la syntaxe de déclaration d'une table ou de création d'une table? Ou bien Blood, est-ce que vous pouvez nous rappeler la syntaxe de création d'une table? Create, on met le nom de la table. Après, on met le point-virgule. Tu as oublié quelque chose. Create database, nom de la Non, page. non, non. Tu confonds. Database, c'est pour la base de données. Donc, quand tu fais créer database, tu es en train de créer la base de données. Et maintenant, Create. quand tu crées une table, c'est create table. Ah, creatable, Voilà. Et maintenant, après table, tu spécifies le nom de la table que le tu nom crées. d'abord. D'accord. Et une fois que tu as spécifié le nom de la table que tu crées, tu vas donc spécifier les colonnes que tu vas utiliser à l'intérieur de cette table-là. Ça dit, il faut ouvrir la parenthèse juste après le nom de la table. Justement, tu ouvres la parenthèse après le nom de la table et tu commences à créer, à énumérer les colonnes que tu vas et qui doivent normalement apparaître dans ta table. Donc, tu auras le nom Combien de de temps le, et le tu nom auras des caractères. le nom de la colonne, tu auras le type et tu auras les contraintes à côté. D'accord. Merci, Doc. Ok, j'ai dit qu'il n'entend rien de son côté, mais je ne crois pas que c'est la même chose chez les autres. Pas qu'aujourd'hui, on a de sérieux soucis de connexion chez les autres. Qui, à part Tchafak et JR, a des problèmes de connexion? Il n'entend rien quand je parle. Donc, il y a JR et Tchafa qui ont des problèmes avec la connexion. D'accord. C'est de votre côté, ça doit être soit le local dans lequel vous êtes, soit le lieu dans lequel, je sais pas, l'endroit où vous trouvez, peut-être la zone n'est pas assez bien couverte par le réseau. Donc, il faut essayer de trouver un endroit où tu as une bonne réception, que ce soit en downlink ou en uplink, ou ta connexion. Alors, donc je disais que ce que nous allons faire, nous allons créer une nouvelle table. Donc, je vous inviterai tous à ouvrir Workbench pour travailler. Donc, nous allons créer une nouvelle table que nous allons appeler formation. Et dans cette table-là, nous allons créer des colonnes d'ID, des colonnes d'URL et des colonnes de nom. Donc, ce que nous allons faire déjà, nous allons créer le create table. Table et je vais appeler formation. Et dans formation, je vais donc dans formation, je vais définir les colonnes que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser l'ID. Et pour l'ID, je vais définir une incrémentation automatique.
pour l'ID. Donc, pour ça, je vais utiliser Serial. Utiliser Serial. Et comme clause, comme contrainte, je vais définir l'ID comme étant une clé primaire. Donc, je vais mettre le primary key. Voilà. Je mets ma virgule. Et la deuxième colonne, c'est pour l'URL. L'URL ici va avoir la valeur de la chaîne de caractères. Donc, on va mettre varchar. Varchar et la longueur ici, le nombre de caractères que je vais vouloir, c'est mettre bon, disons 255. Et je vais exiger en fait que lorsqu'on insère les données dans la table, que à chaque fois qu'on insère toujours des données dans cette colonne-là en utilisant la contrainte not null, je vais utiliser. Bon, on va utiliser une troisième colonne pour le nom. Donc, je vais mettre le name. Ça sera toujours en varchar. Varchar avec, je vais prendre toujours ici 255, 255 caractères en termes de longueur avec la contrainte not null. Et je vais ajouter à cela une description. Ok. D'accord. Et à cela, je vais ajouter une description. Dans description. La description, ça sera un varchar. Par contre, je ne vais pas imposer qu'on remplisse la description. Non, je ne vais pas imposer qu'on remplisse la description en imposant une contrainte. Non, je vais juste donner la longueur et c'était bon. Donc, à ce niveau-là, j'ai donc créé, j'ai terminé d'écrire la syntaxe de ma table et je vais donc exécuter pour voir si la table se crée. Alors, nous voyons ici que la table, effectivement, a été créée. La table, effectivement, a été créée. Il y a zéro ligne affectée. Donc, si je viens ici et que je fais un refresh, je vais me retrouver ici avec formation qui a été créée. Et pour visualiser, je vais utiliser un select all. Donc, je fais select étoile from. Je prends formation. Ici, j'exécute. Ici, vous voyez bien que j'ai mon ID, j'ai mon URL, j'ai le nom et j'ai la description. Donc, tout a été créé. Alors, après cela, ce que nous allons faire, donc, comme nous l'avons vu dans les récentes diapos, c'est que nous allons insérer les données. Alors, pour insérer, on a dit qu'on utilisait, on va essayer, commencer par insérer une ligne. On a dit qu'on utilisait la clause insert into, suivi de la table, le nom de la table. Le nom de la table, c'est formation. OK. Et il fallait définir les colonnes sur lesquelles on allait ajouter les données. OK. Dans notre travail, il y a deux colonnes particulièrement qu'on a. Auquel on a associé une contrainte not null. Donc, c'est sur ces deux colonnes-là qu'on va ajouter les données. Donc, à savoir la colonne de l'ID, on avait la colonne de l'URL plutôt, et la colonne du nom, donc la colonne ID et la colonne name. Ce sont les deux colonnes sur lesquelles nous allons ajouter les données. Ensuite, on va insérer
Les données en question. Donc, on aura values. On aura values. Values. Values ici. On va donc donner les valeurs que nous allons mettre. Dans notre cas, on va utiliser le lien, on va essayer d'utiliser le nom de la plateforme sur laquelle vous travaillez qui est www.retimey.com. Espace que nous allons utiliser. Suivi de du nom. Et on va dire que c'est repeat and teach. And teach me. OK. Là, maintenant, je peux refermer ma parenthèse. Et là, on peut lancer l'exécution de ce bloc d'instruction. OK, on signale qu'il y a une erreur. Incorrect integer value. Oncode ID. Ok. C'est bon, ça va. Donc ici, c'est URL. D'accord. Ok. J'ai oublié que l'ID s'incrémente automatiquement. Ok, là, c'est bon. On peut visualiser le contenu de notre table. Nous allons utiliser ceci. Nous allons exécuter. Là, maintenant, vous pouvez voir que automatiquement, nous sommes là 1. L'ID c'est 1, l'URL c'est retimey.com, le name c'est repeat and teach me. Et vu qu'au niveau de la description, nous n'avons rien mis, la valeur est nulle. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça va avec tout le monde? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'à ce niveau-là, ça va? Une minute, donc, une minute. On finit la commande là. C'est un peu trop vite. Une minute. Est-ce que ça va? Sûrement oui, hein. Ça va, sûrement. D'accord. Et pour les autres? OK. Chafal dit que c'est bon. JR. Et je vois si... Il y a Galaxy, il voit Galaxy Tab, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est bon de vous reporter? Est-ce que tout le monde est au même niveau pour qu'on puisse continuer? Est-ce que tout le monde est au même niveau pour qu'on puisse continuer? Je m'adresse particulièrement à JR et Galaxy Tab. Oui, on peut continuer. D'accord. OK. Donc là, on a vu comment on pouvait insérer une ligne.
de données, n'est-ce pas? Bien. Vu que dans. Vu que c'est JT qui est à la source de cette formation, nous allons utiliser des liens qui correspondent à JT pour insérer les autres données. Donc, là, maintenant, nous allons procéder à l'insertion de plusieurs lignes, dans notre base de données. Alors, nous allons utiliser la même syntaxe. On va faire insert into de formation. Nous allons toujours utiliser l'URL et le nom. URL et le nom, nous allons toujours utiliser. Et nous allons juste copier ceci et nous allons modifier, c'est ce que nous allons modifier. Nous copions juste ça et nous allons modifier à chaque fois. Donc, on a values, n'est-ce pas? Enlever le point virgule, on va remplacer par une. Par une virgule. Donc, on va ajouter. OK. Donc, ici, je vais remplacer par TechCamp, qui est un projet Instec aussi. Et on va mettre technologies, oui, on met camp. OK, on va ajouter une autre ligne pour une autre donnée. On va mettre open technologies. Pour projet JinchTech aussi. Bon, ici, on va juste mettre OpenTech. On va juste mettre OpenTech. OK. Et on va terminer, vu que c'est la dernière information que nous avons, on va terminer par le point virgule. Donc, je vais prendre quoi encore? On avait déjà inséré Retime. Bon, je vais remplacer Retime ici par le site Instec même. On va mettre Instec. Mettre ici Instec. Et je vais mettre la devise Instec qui est Spirit. Spirit of Innovation. OK. Donc, là, nous avons trois données qui doivent être insérées dans notre base de données. Donc, là, nous allons exécuter. Et on vous dit que, en fait, les données en question ont été insérées et il y a trois lignes qui ont été affectées. Donc, pour voir simplement, à quoi ressemble notre table actuellement? Nous allons exécuter notre ligne qui est select étoile from formation. Et là, vous vous rendez compte que toutes ces données que nous venons d'entrer se trouvent dans notre table. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'assez compliqué. Donc, maintenant, je vais créer une autre requête. Donc, est-ce que déjà, ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, comment vous afficher sans mettre le select? Parce que moi, quand j'exécute, c'est vrai que l'exécution, ça marche.
Mais il faut que je mette d'abord le CD pour afficher. À quel niveau? Parce que moi, j'utilise juste mon select de départ pour ne Ah, pas réécrire, d'accord. ne pas réécrire OK. la même instruction plusieurs fois. Donc, je réutilise l'instruction de départ. Donc, select est Donc, pas du moment. formation. Puis, vous pouvez l'exécuter. Une fois que vous avez déjà créé la table, vous pouvez Donc, du réexécuter. moment où Donc, oui. tout ça est contenu dans formation, le select de formation, là, ça marche partout. Ça va fonctionner. Une fois que vous avez eu à faire les différentes exécutions, si vous voulez visualiser le contenu ou bien les D'accord. modifications apportées à la table, vous pouvez directement utiliser l'instruction en question. D'accord, merci. Chafak et Galaxy. Chafak et Galaxy, est-ce que ça va? Faudrait qu'on essaye d'avancer dans quelques notions sur lesquelles on doit s'attarder. Ok. D'accord. Alors, maintenant, il y a quelque chose de particulier qu'on peut faire. C'est essayer d'insérer des données dans une table à partir d'une table existante. Vous voyez, on peut faire cela. Donc ici, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais créer une copie de la table qui existe déjà. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc, la première chose, je vais vous repartager le PowerPoint pour que vous puissiez voir comment ça se passe. OK, bien. Donc, lorsqu'on veut insérer les données à partir d'une table existante, tu veux insérer des données dans une table, à partir d'une table qui existe déjà. Donc, suppose que la table que j'ai en face de moi est vide et que j'ai envie d'ajouter des informations, mais je veux prendre les informations dans une table qui existe et qui contient déjà les informations. Alors, pour cela, vous créez une copie de cette table-là, vous créez une table ayant la même structure que celle-là. Et ensuite, la syntaxe que vous utilisez, c'est la même syntaxe qu'on utilise pour insérer les données, à la seule différence que on va demander à ce que les données en question soient des données qui proviennent de la table ancienne. Donc, j'insère dans la nouvelle table les données provenant de la table ancienne. Donc, c'est ce que nous allons faire. Là, c'est bon. Donc, ce que je vais faire en premier, je vais créer une copie. Je vais créer une copie dans la table formation en faisant create. Table. Formation barre de 8 copie. C'est ce que je vais faire. Et je vais utiliser like et je vais donner le nom de l'ancienne table qui est formation. C'est ce que je vais utiliser. C'est tout ce qu'on va faire. Tout ce qu'on va faire. Alors, à ce niveau-là, je peux lancer l'exécution. L'exécution.
Vous voyez que la table a été créée. La table a été créée sur faire refresh. Vous voyez qu'il y a formation. Il y a formation. Copie qui a été créée ici. La formation copie qui a été créée là. Donc, maintenant, si je veux visualiser le contenu, je vais utiliser mon select. Donc, mon select. Faire étoile. Étoile. Formation. Copier. Donc, select étoile. From formation copier. OK. J'ai mis mon instruction. Et j'exécute. Vous verrez que c'est pratiquement la même structure que la table formation. Maintenant, je veux insérer les données à partir de la table formation. Donc, je fais insert into. Je définis la table avec laquelle je travaille, dans formation, formation copie, et je vais ajouter les colonnes sur lesquelles je veux faire, j'ai envie de faire copier les données. Donc, je vais spécifier. Je vais spécifier les colonnes en question. Là, on aura, voilà, donc j'aurai ici l'URL comme je travaillais au départ et name. Je vais utiliser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais utiliser un select pour que ça me prenne toutes les valeurs. Toutes les valeurs qui sont dans la table formation. Et je vais spécifier en fait les lignes que je voudrais voir apparaître. Donc, à ce niveau-ci, je peux faire bon, je vais à ce niveau. Bon, nous allons laisser ceci. Allons laisser ceci. Et nous allons choisir une recloche. Bon, disons, nous allons utiliser where. OK. Où le nom sera égal à. Dans nos données, on a le nom, les noms. OK. Richter Spirit Innovation, Techcamp, on a. OK. On va prendre repeat. Repeat and teach me. Que nous allons utiliser. Nous allons utiliser. Et nous allons exécuter pour voir si cela va apparaître dans la table insert into. OK. Alors là maintenant, je peux venir ici, sélectionner et exécuter pour voir si ça apparaît. Alors, bon, là, vous voyez au niveau de la table formation copie, on va retrouver la première ligne de la table formation qui va se retrouver aussi dans la table formation copie. Donc, ici, nous allons voir toutes ces clauses, hein. Donc, que ce soit select, que ce soit where. Nous allons les voir dans la suite du cours. Donc, select, et ouais, nous les verrons dans la suite du cours. Juste pour le moment, je vous montre juste comment est-ce que ça nous permet de pouvoir travailler d'une certaine manière. Ça nous aide pour le moment.
Alors, jusque-là, est-ce que ça va? Non, moi, je n'ai pas très bien compris comment, après l'exécution, on a www.timey.com et repeat and teach me dans la nouvelle, dans le nouveau tableau qu'on a créé dans formation copie. D'accord. Ce qui se passe, c'est que je veux avoir des informations, n'est-ce pas? J'ai pris une partie des informations qui figuraient déjà dans une autre table pour les insérer dans la nouvelle table. La nouvelle table était vide. Il me fallait les informations. Vu que j'ai une table qui est semblable à celle que j'ai en ma possession, qui est vide, et l'autre table étant pleine, si on a la même structure, ça veut dire que j'ai la possibilité de prendre des informations qui figurent là-bas et de les charger dans ma table, vu qu'elle est vide. Et comme c'est le cas avec la table formation et la table formation copie, les deux ayant la même structure, je peux copier une information venant de là-bas ou toutes les informations venant de là-bas pour stocker chez moi, vu qu'on a la même structuration de table. C'est ce qui a été fait. J'ai juste pris une ligne. J'ai pris la ligne où le nom est égal à Non. repeat and teach me. Je Et donc, ça va donc regarder dans la table de formation. Le nom où le nom est égal à repeat and teach me. Si je prends peut-être, si je fais un select, au lieu de faire formation copie, je mets formation et j'exécute. Vous verrez que ça change en fait. OK. Vous voyez ici, n'est-ce pas? Ici, nous sommes dans formation. Dans formation, voici le nom Repeat and Teach Me, n'est-ce pas? Ça va donc aller où, dans la table formation où il y a Repeat and Teach Me, ça va copier les informations de nom et d'URL et les stocker dans formation copie. Il les stocker dans formation copie. Et ça va venir les stocker dans formation copie. Dans les mêmes colonnes qu'il y avait dans la table formation. Est-ce que ça va? Oui, ça va, c'est bon pour. D'accord. Est-ce que vous pouvez descendre sur la dernière ligne du script du code? C'est bon? Okay. Oui, mais j'ai pas le. Il y a un souci. Non, c'est bon, c'est seulement l'affichage là. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on peut continuer. Donc, je vais repartager le PowerPoint. Alors, vu qu'on sait déjà comment est-ce que l'on insère les données dans une table, on va donc voir comment est-ce que l'on peut effectuer des mises à jour de ces données-là en modifiant les valeurs qui peuvent exister dans les colonnes, dans les lignes de ces tables-là. Et pour cela, ce qu'on utilise pour faire la mise à jour, lorsqu'on veut changer la valeur d'une colonne, on va utiliser la clause update. C'est ce que nous allons utiliser, la clause update. Et sa syntaxe est très simple. Dès que vous utilisez update, vous définissez, vous donnez le nom de la table et vous utilisez set pour changer les valeurs au sein de ces colonnes-là. Donc, ici, vous avez la syntaxe update, table, set, colonne 1, je définis la valeur. S'il y a une deuxième colonne sur laquelle je souhaite faire des ajustements concernant cette table-là, je définis la colonne et je mets toujours la valeur. Ensuite, je peux mettre en where pour définir la condition sur laquelle est-ce qu'on doit appliquer
On doit appliquer les différents changements sur les colonnes en question. Est-ce que jusqu'à ce niveau-là, ça va? Oui, ça va. OK. Donc, nous allons voir comment est-ce que on va essayer d'appliquer ensemble, comment est-ce qu'on peut faire la mise à jour. La mise à jour de la table formation sur laquelle nous travaillons. Donc, je vais repartager mon écran de travail sur MySQL Workbench. OK. D'accord. Bien. Alors, ici, nous savons que tel que c'est affiché dans notre table formation, il y a quatre colonnes. L'ID, l'URL, le name et description. Alors, on va apporter des modifications sur les colonnes. Comme on l'a vu, on va essayer de changer la description. Si nous revenons à formation, je vais exécuter. Nous revenons à formation. OK. On va revenir à formation. D'accord. Alors, quand nous revenons à formation, vous voyez que la description, toutes les valeurs qu'il y a au niveau de la description sont des valeurs nulles. Donc, on va essayer de modifier l'une des valeurs ici. On va prendre au hasard, on va prendre, bon, disons HTEC ou TECAM. On va prendre une des deux valeurs. Bon, on va reprendre HTEC. OK. Ce qu'on va essayer de faire, c'est pas comme la valeur au niveau de la description chez HTEC est nulle. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons modifier cette valeur-là. Et pour modifier la valeur, on va utiliser la syntaxe que nous avons vu. On va faire update. 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 Oui. On va définir le nom de la table qui est formation. OK. On va mettre donc close 7. Et nous allons donc donner le nom de la colonne. Le nom de la colonne, c'est description que nous allons utiliser. Description ici, nous allons dire que pour Ishtek, on va changer la description en centre de recherche. Un peu de recherche. Voilà. Et nous allons dire où est-ce qu'on va changer en mettant la clause where. Dans where, on va dire where, dans où le nom est égal à Einstein. Donc, pour Einstein, qu'on a mis comme nom, c'est Spirit of Innovation. Donc, où le nom est égal à Spirit of Innovation. Et nous avons terminé. Et là, maintenant, on va pouvoir voir la modification apportée. Nous avons une erreur. Safe update. Ok. Bien. Je crois que c'est pas. Pour ceux qui utilisent Windows, là, je crois que vous aurez cette erreur-ci. Donc, on ne peut pas effectuer la mise à jour à cause de l'activation de certains paramètres dans la configuration du logiciel. Donc, on va modifier le paramètre en question. OK. On va aller au niveau de Edit. Edit, voilà, Preference. OK, Preference. OK, est-ce que l'éditeur?
Voilà, d'accord. Au niveau de SQL Egypta, vous allez trouver ceci et vous allez les activer. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Moi, j'ai... Est-ce que c'est bon? J'ai été coupé à cause de la connexion. Je sais pas ce qu'il y a. Désactiver. OK. Vous avez validé, vous avez cliqué sur OK et vous avez réussi. C'est toujours en rouge. C'est pas toujours en rouge. Ok, si on met OK, je vais réexécuter en fait. Si je réexécute, toujours en rouge. Ah, OK, moi j'ai pas vraiment mal écrit, c'est off. Ça ne reconnaît pas. OK. Bon, passe pas ce What, cet update where you are using. Ah, OK. Ce que vous allez faire, n'est-ce pas? C'est que on va relancer MySQL Workbench. Donc, on va fermer, on va re relancer MySQL Workbench. Et tout le travail n'est pas conservé quelque part. Non, le travail sera conservé. Vu que vous avez déjà exécuté, ça va revenir. D'accord. OK, moi j'ai relancé. J'ai relancé MySQL Workbench. J'ai relancé MySQL Workbench et je peux réexécuter. Oh. J'ai accordé le permission. Ah, OK. C'est revenu avec. C'est pas grave. Je vais faire un use retiming point virgule. Donc je vais exécuter les deux. OK, là ça va. Est-ce que vous avez relancé? Vous avez eu à relancer le bout de code, la partie de Ouais, mais moi, update. Oui, vous dites? j'ai l'interface là. J'ai la ligne de commande là maintenant. Unicode. Vous dites? J'ai Unicode là. Vous avez C'est pas la Unicode. même. Qu'est-ce qui est dit au niveau du message? Dans la colonne Déjà, message, qu'est-ce qu'on vous a dit? en premier lieu, on me dit de rentrer le mot de passe. J'ai Ah, mis le mot de passe. oui.
Après, j'ai l'interface vraiment pour la programmation. Ce n'est pas la même interface que nous avons. Vous êtes en mode administrateur comme la dernière fois, si je ne me trompe pas. Ah bon? C'est que vous êtes ancré en Non, mode non, non. administrateur comme la dernière fois. Le mode administration, c'est monté pas ça. Hein. Parce que là, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans la même interface. Est-ce que vous pouvez lire sur votre WhatsApp? Comme ça, je vous fais la capture. WhatsApp. Je sais pas mon numéro qui est sur WhatsApp en tout cas. Enfin, je sais pas trop comment est-ce que ça va se passer. Bon, ce que vous pouvez faire, n'est-ce pas? C'est Oui. que je vais vous allez partager vos écrans et je vais voir ce qui s'affiche. C'est Non, mais bon? sauf que je n'utilise pas l'ordinateur. J'utilise le téléphone pour suivre le cours et je suis dans la pratique sur ordinateur. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Je comprends bien. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas pourquoi est-ce que normalement lorsque vous fermez vos applications, quand vous revenez, ça vous renvoie en fait ici. Ça vous renvoie la clé. Vous voyez? Donc ça vous renvoie à l'accueil. Et à l'accueil, vous cliquez simplement sur Local Instance. Vu que c'est dans ce serveur-là que l'on travaille. Vous cliquez simplement sur Local Instance et ça vous renvoie sur l'espace de travail que vous avez laissé ouvert avant la fermeture. Je redémarre d'abord tout. Ok, redémarrer alors. C'est bon. C'est bon? Oui, mais la ligne est toujours en rouge. Je sais pas. Bon, pour Ah la ouais, il y a ligne, une vous dites? commande que vous avez mise. C'était use. J'ai mis use chez moi parce qu'il y avait un souci avec la base de données utilisée, la base de données sur laquelle pointait le serveur était Sakila. Donc, j'ai mis use pour que ça pointe vers la base de données que nous avons créée ensemble qui est retiming. Est-ce que je dois faire la même chose? Non, si vous avez une seule base de données, normalement, votre retiming doit être en gras comme le mien est là. Ouais. Oui, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser use retiming. On utilise le use, il met use retiming pour lui demander d'utiliser la base, cette base de données, d'utiliser la base de données retiming pour que ça puisse exécuter et puisse exécuter les différentes lignes d'instruction que j'aurai à mettre puissent être exécutées dans cette base de données-là. D'accord. Donc, si c'est la seule base de données que vous utilisez, normalement, votre serveur pointe vers cette base de données-là. Sauf que moi, j'ai toujours le rouge là. OK. Utilisez votre message est lequel? Donc, update is not valid at this position. Update. Expecting. Update is not valid at this position. Expecting EOF. Je ne sais pas ce qui fait ce problème-là chez toi. Est-ce que ta syntaxe est nette comme celle que j'ai devant moi? En tout cas, c'est ce que j'ai reproduit. Hein. You update formation, set description. En plus, l'erreur, c'est au niveau de update formation, là. Update Je sais formation, c'est où pas. vous avez l'erreur? Ouais, c'est là où il y a l'erreur. Sinon, le reste, là, ça va. C'est quand vous devez écrire, vous allez regarder le chat, je vais copier et vous allez recopier chez vous. J'espère, je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez eu à écrire, mais normalement, c'est ce que vous devez retrouver chez vous. Donc, je vais écrire et vous allez retrouver ces informations-là chez vous. Donc, voilà la syntaxe que vous devez utiliser. Que j'ai envoyé dans le site de conversation.
D'accord, je vais essayer de copier. Donc, je vais me connecter sur l'ordinateur. En vous connectant sur l'ordinateur pour que vous ne soyez pas gêné, vous désactivez le mode de présentation en plein écran. D'accord. On peut avancer, on ne peut pas pénaliser les autres. OK. Est-ce que les autres sont à la ligne? Oui, prof, c'est bon. OK. On va continuer. OK. D'accord. Bah. Là, nous avons fait la mise à jour, n'est-ce pas? Donc, pour visualiser le contenu, on fait notre select, étoile, forme, formation. On a ça, et c'est bon. Et, oh là là, ça l'attente qui faisait quoi là-bas? Oh! Okay. Donc, si j'exécute, je vais voir qu'il y a eu une modification au niveau de la table formation. OK. Donc, si vous regardez, je vous ai dit, je veux faire une mise à jour de la table formation au niveau de la table colonne, de la colonne description. Où je veux changer la description en centre de formation, vu que la description est en centre de recherche ou vu que la description était nulle. Donc, je veux changer la valeur nulle en valeur de centre de recherche. Et je lui demande donc de chercher où le nom est égal à Spirit of Innovation. Donc, ça va regarder cette ligne-là. On va regarder le nom est égal à Spirit Innovation ou c'est égal à Spirit Innovation à ce niveau. Alors, à ce niveau-là, je vais prendre la partie qui concerne la colonne description et je vais changer sa description en centre de recherche. Est-ce que là, ça va? Donc, est-ce que vous pouvez accepter ma demande d'adhésion? Demande d'adhésion, demande d'adhésion, demande d'adhésion. Ok. C'est bon. Je crois que tout le monde a accès, non? Je crois qu'il n'y a plus personne dans la salle d'attente. Donc, voilà, vous voyez donc qu'il y a eu changement. Oh. Ouais, j'ai coupé. OK. D'accord. Je disais que vous avez donc la modification qui a été apportée. J'ai fait un changement de valeur de la partie qui concernait la description. J'ai changé la valeur nulle en centre de recherche. Donc ici, au niveau de ce qui concerne Spirit Innovation, la description, c'est centre de recherche. Est-ce que tout le monde a compris comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tout le monde a compris comment ça se passe pour qu'on puisse continuer? Vous pouvez juste lever la main, hein. Je vais savoir qu'on peut continuer.
Ok. D'accord. Nous allons passer allons essayer de changer toutes les lignes, n'est-ce pas, de notre table. On va essayer de changer tout ce qui concerne la description par humaine valeur. Donc, je vais juste recopier ceci en excluant la clause where où j'ai spécifié un nom précis. Je vais juste la réutiliser. Et je vais changer centre de recherche en. Je vais mettre opportunité de formation. Opportunité de formation. Opportunité de formation. Donc, ce que je vais faire, je vais exécuter. Ok, ça a pris, c'est passé. Et maintenant, je vais vérifier ce qui s'est passé au niveau de la table formation. Vous voyez donc que, en fait, toutes les valeurs nulles qu'on avait au niveau de description ont changé pour prendre des valeurs opportunités de formation. Même au niveau de Spirit Innovation, oui, il y avait Spirit Innovation comme nom. Et la valeur qui est associée au niveau de la description, c'était centre de recherche, a changé en opportunité de formation. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut effectuer les mises à jour. Vous voyez que plus on va avancer et plus vous pourrez corser vos codes en délimitant les. En nous mettant peut-être les données, genre comme on avait déjà défini au niveau de Spirit Innovation Centre de recherche, on peut modifier toutes les lignes sauf la ligne où on aura le nom égal à Spirit Innovation. Donc, on pourra faire les mises à jour partout sauf là. Donc, vous aurez le temps, lorsqu'on va voir les différentes clauses en avançant avec tout au long du cours. Vous aurez que vous avez les possibilités de pouvoir corser vos recours, de mettre certaines restrictions, ainsi de suite. Donc, la suite, on va voir comment est-ce que l'on peut supprimer des lignes dans une table. Alors, comment est-ce que l'on fait pour supprimer des lignes dans une table? Pour supprimer des lignes dans une table, on va utiliser la clause delete et qui a pour syntaxe delete from table. Et on fixe une condition avec la clause where. La clause delete va retourner le nombre de lignes supprimées. Alors, si aucune ligne, par contre, n'est supprimée, delete va nous retourner la valeur 0. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer d'utiliser la clause delete sur une autre table. Alors, nous allons revenir à MySQL Workbench. Vous voyez comment est-ce que ça se passe. Alors, au niveau de MySQL Workbench, ce que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer les données. Alors déjà, ici, vous avez toutes les données. Vous avez toutes les données et nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut supprimer. Ce que je propose, c'est qu'on supprime ces lignes ici. On va juste laisser la première ligne. On va juste revenir à notre élément de départ qui était retiming. Ce que l'on va faire, c'est que on va donc utiliser la clause delete et from. Le nom de la table, c'est formation. Voilà. Et maintenant, je vais définir
la clause where, vous dites où est-ce que je veux que ça s'applique. Donc, where, elle dit ID. ID différent de 1, tout simplement. Donc, voilà tout, ça va regarder où le ID est différent de 1. Et si ça prouve que les ID sont différents de 1, ça va supprimer. Ou le ID sera égal à 1, ça va garder. Or, ici, on voit que la seule valeur que ça va trouver avec un ID égal à 1, c'est la ligne où il y a retiny. Et le reste ont des ID différents de 1. Donc, je vais exécuter. Vous puissiez voir. Je vais exécuter et je vais venir voir le contenu de ma table après suppression. OK. Après suppression, vous voyez que la table, notre table, il n'y a qu'une seule valeur qui demeure à l'intérieur. Une unique valeur qui est restée, qui est celle que j'avais demandée. Est-ce que ça va, on peut continuer? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Donc, vous me recevez? Allô? Oui, que donc tu reçois. Est-ce que vous avez pu exécuter? Aïcha, Chafak, Blood, je vois que J.A. n'est plus avec nous. Salut, monsieur l'international, moi je suis arrivée un peu en retard, donc je vais seulement suivre jusqu'à la fin, mais j'espère qu'après j'aurai beaucoup plus de voix à mes félicitations. Parce que D'accord. depuis, je n'arrive pas à me connecter. Ok, non. Vous aurez de à la fin le PDF du cours sera envoyé. PDF. On ne pourra pas avoir, je crois que vous faites l'enregistrement là, ça ne sera pas possible d'avoir ça. Parce que même le coup, je n'ai pas vu ça dans mon data, ce data. Bon, du coup, je n'ai même pas pu faire les révisions. Et ça aussi, document PDF, c'était vraiment très compliqué. Non, la vidéo, vous aurez la vidéo sera disponible. N'oubliez pas aussi celle d'hier, s'il vous plaît. Vous dites? N'oubliez pas également celle d'hier parce que apparemment ça n'a pas été mis dans D'accord. Je vais signaler à l'équipe qui gère cela de vous envoyer les vidéos en question et le support. merci. Donc, est-ce que vous avez vu ma syntaxe? J'ai envoyé la photo. Je vois vraiment pas l'erreur. Attendez, je vais dire delete from formation id. Ah, oui. OK.
Mettez le point virgule après work instruction de select étoile from formation. Mettez le point virgule et vous Oui. exécutez la tranche de code delete from formation where ID de différent de 1. Ah, d'accord, ça marchait. D'accord. Mais il y a d'autres endroits dans Select, il n'y a pas de point virgule. Non, Enfin, on... le problème avec le select, c'est la manière dont vous disposez le select en question. D'accord. Oui. Normalement, lorsque vous disposez le select de cette manière et qu'il y a une clause delete qui suit, le système a l'impression de comprendre après le select en question, il faut exécuter directement delete. Et vu que vous avez fait un select étoile from formation, vous demandez de faire une suppression. Ça devient, il y a une certaine ambiguïté qui se crée dans le système. C'est pour ça que ça vous met une erreur. D'accord. Merci, Doc. C'est pas moi, Doc. C'est pas moi, Doc. Doc, c'est pas moi. Moi, c'est Junior Vitae. Depuis, je me demande pourquoi est-ce que vous faites ces confusions-là. Bon? Ah, Oui. d'accord. Je n'ai pas remarqué. Moi c'est Junior Vita, c'est moi qui suis en charge de ce cours. Non, D'accord, merci. c'est pas moi, Doc. Oui, j'ai pas remarqué. Merci. Ok, donc on va continuer. Ici, c'était pour vous montrer comment est-ce que l'on fait pour supprimer les données dans une table. Donc, ce que nous allons faire par la suite. Et que nous allons voir comment est-ce qu'on peut apporter des changements au niveau de la structure d'une table. Donc, comment est-ce qu'on peut peut-être changer le nom d'une table, si on peut supprimer une table, si on peut changer la structure en elle-même, la structure d'une table en elle-même. Donc, ce sont les derniers points que nous allons évoquer. Alors, je vais repartager le PowerPoint pour que vous puissiez voir. Alors, dans le PowerPoint, ici on avait déjà fait la suppression des lignes, donc c'est ça va. Alors, pour le changement de structure d'une table, ce qu'on utilise, c'est Alter. En fait, ça va nous permettre de pouvoir vraiment modifier la table. Je n'ai pas parlé des colonnes ou des lignes. Ça va nous permettre de modifier la structure de la table. Donc, ici, on va utiliser la clause alter table, ce que nous allons utiliser. Et la syntaxe qui va avec, c'est alter table, le nom de la table, et on définit l'action qu'on veut apporter sur la table en question. Ça peut être la suppression de colonnes, ça peut être un ajout de colonnes, ça peut être, je peux encore dire, ça peut être renommer la colonne, ça peut être renommer une table. Donc, ce sont des actions qu'on peut mener sur une table. Il y a des actions qu'on mène sur des lignes, bien sûr des données à l'intérieur des colonnes, mais il y a des actions qu'on mène sur des colonnes ou l'ensemble constitutif de la table qui sont les colonnes en fait. Donc, on choisit. Comme ça que vous voyez, pour les données, la manipulation des données ou bien la modification des données, on est passé sur certaines clauses, comme la clause update. On a eu à voir la clause update. On a vu à voir la clause insert que nous avons utilisée. Vous voyez, et on a vu à voir la clause delete. Or, avec la table, lorsqu'il s'agit déjà de la table, il y a des opérations sur lesquelles qu'on utilise en fait. On peut modifier à travers deux instructions. Donc, on peut supprimer la table. Alors là, on va plus utiliser delete qui s'applique uniquement sur les lignes de la table. Si on veut peut-être modifier le nom d'une table, on ne va pas faire des mises à jour, donc on ne va pas venir utiliser un update. Ce qu'on va utiliser ici, c'est alter. Si on veut modifier le nom, ajouter une colonne
pour supprimer une colonne, on va venir utiliser toujours, c'est Alter qu'on va toujours utiliser. Donc, il faut que vous fassiez bien cette différence-là entre les clauses qu'on peut appliquer sur des lignes et les clauses qu'on peut appliquer sur la table. C'est très important parce que de temps en temps, il y a une certaine, un certain amalgame qui se crée et il y a un embouteillage bizarre qui se crée dans le cerveau. C'est pas souvent très beau à voir lorsque vous mettez à travailler. Donc, ici, donc, nous allons, pour pouvoir porter certaines opérations sur l'État, nous allons utiliser la clause Alter Table qui aura pour syntaxe Alter Table, nom de la table, nom de la table sur laquelle nous allons appliquer les modifications. Et nous allons définir une action. Et parmi les actions ici, nous avons le fait d'ajouter, supprimer ou renommer une colonne. Nous avons la possibilité de mettre une valeur par défaut dans une colonne, ajouter une contrainte telle que check, que j'ai présenté au départ, qui était celle qui nous permettait de vérifier certaines conditions à une colonne. Et nous pouvons aussi renommer une table à travers la clause alter table. Donc, pour ça, les syntaxes ou bien les actions associées en SQL à tout ce que nous avons eu à énumérer sur ce slide-ci. Donc, ajouter, supprimer, renommer une colonne, mettre à jour la valeur par défaut, ainsi de suite. Les actions associées sont les suivantes. Donc, lorsque vous faites, vous utilisez add colonne, vous l'utilisez pour ajouter une colonne à la table que vous voulez. Lorsque vous utilisez drop colonne, c'est pour supprimer la colonne de la table. Lorsque vous utilisez rename colonne, c'est pour vous renommer, donc changer le nom de la colonne. Et vous allez utiliser add constraint pour ajouter une contrainte. Et vous allez utiliser rename to pour changer le nom de la table. Donc, ce sont les actions que l'on peut porter sur la table en termes de structuration, de restructuration de la table. Donc, nous allons juste toucher certaines de ces actions-là pour vous montrer comment est-ce que cela peut se matérialiser sur MySQL Workbench. Donc, nous allons utiliser cette syntaxe-ci et les actions en question, les voilà. Donc, nous allons choisir quelques actions ici. Nous allons présenter et nous allons voir comment ça se passe dans MySQL Workbench. Donc, je vais repartager mon espace de travail sur Workbench. Alors, ce que nous allons faire dans un premier lieu, nous allons ajouter une colonne. Nous allons ajouter une colonne à notre table formation. Alors, ce que nous allons faire, c'est on va utiliser notre clause alter table, la table sur laquelle nous voulons appliquer des changements, c'est formation. OK. Et maintenant, on veut ajouter une colonne. Ah. Nous allons ajouter une colonne. On va faire add colonne. Colonne. OK. Et on va définir la nouvelle colonne. Donc, on va définir la nouvelle colonne. Et la nouvelle colonne ici, c'est qu'on va regarder l'activité. L'activité du site. Donc, on va mettre ici active.
activité. Est-ce que il y a de l'activité ou pas? On va définir le type ici. S'il y a activité, on voudrait bien que ce soit un true. Et s'il n'y a pas, on voudrait bien que ce soit un false. Donc, on va mettre ici comme type, on va mettre boolean comme type. Non, c'est ce que nous allons utiliser pour que ce soit un peu plus visible. On va utiliser ça comme type pour modifier là la structure de notre tableau. On va ajouter une colonne. Alors, en ajoutant la colonne, S'il vous plaît, monsieur, il y a une colonne là que je ne vois pas très bien. Ça s'écrit comment? C'est deux M à la fin. attendez, je mets dans le chat. Je mets dans le chat. C'est bon là. Oui, c'est bon. OK. Donc, je vais exécuter. Je vais exécuter cela. OK. Vous voyez ici, Affected Records. Le nombre de lignes qui sont affectées à partir de ce que j'ai eu à faire, il y en a zéro. N'est-ce pas? Donc, je peux visualiser ma table de formation et voir s'il y a eu un ajout de colonne. Et effectivement, vous voyez qu'il y a eu ajout de colonne. Mais là, je n'ai pas défini si l'activité est effective ou pas. Donc, de toutes les façons, à ce niveau-là, j'ai un nul qui apparaît. Donc, ça, c'est pour l'ajout de colonne. On peut encore effectuer la suppression de colonne. Donc, on va juste réutiliser la colonne que nous venons de créer pour la supprimer dans Alter Table Formation. Et on va appliquer Drop Column. Et la colonne, c'était Activité. Tout simplement. Ça va nous permettre de supprimer la colonne. Donc, si j'exécute, c'est fait. Et j'interroge ma table. Je me retrouve avec la colonne activité qui est supprimée. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? J'ai plus d'erreur sur la syntaxe, mais mon output là ne marche même Votre output ne fonctionne pas. plus. Ouais, regardez un peu ce que je vous ai envoyé dans le chat. Okay. Oh, vous avez juste des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs. Bon, déjà, action output. Et ça, c'est à partir de là où j'ai corrigé l'erreur sur le update, là où lorsque j'ai mis le point virgule sur Update. voilà, non, sur le select, parce qu'il y Sur avait un select. le select, vous avez mis le point virgule. Voilà. Et depuis là, j'essaie d'exécuter ça. Vraiment, ça me donne une erreur. On donne juste des erreurs. Bon. Nos databases. Regardez votre erreur. No database selected. Select the default DB. Vous n'avez pas sélectionné la base de données. Donc, ce que vous allez faire, c'est que avant l'exécution, vous faites un use. Vous faites use, pas la base de données, c'est retiny. Donc, vous faites use, retiny. Vous mettez le point virgule, vous exécutez. Et maintenant, vous commencez à exécuter les blocs d'instruction. D'accord. J'insère ça à partir d'où? Peu importe Bon, l'endroit où je mets ça. Insérez ça au tout début de vos codes, hein, au tout début de vos instructions de codon. La toute première ligne de code qu'on doit avoir sur votre page de travail, ça doit être mettez use retiny.
et vous exécutez sa partie de là-bas et D'accord. vous descendez. C'est bon, maintenant. C'est bon? Merci. D'accord. Ok, bon. Là, on a vu comment est-ce qu'on pouvait ajouter une colonne ou supprimer une colonne. Ce que nous allons voir par la suite, c'est comment est-ce que nous pouvons renommer une colonne, donc changer le nom d'une colonne. Alors, pour ça, on va utiliser Alter Table sur notre table formation. Et ce que nous allons utiliser, c'est Rename. Rename. Colonne. Pour changer le nom de la colonne. Et on va changer le nom de la colonne. Ici, nous avons une colonne Name que nous allons changer en français. Donc, on va passer de Name à nom. Donc, on va faire Name to nom. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons exécuter. C'est exécuté. Et nous allons voir si effectivement name a été changé en nom. OK. Comme vous pouvez le voir ici, à ce niveau-ci, nous avons nom qui est affiché au lieu de name. Donc, cette modification a été prise en compte. Et la dernière modification que nous allons apporter sur la table est celle de... On va changer le nom de la table. Donc, notre table s'appelle formation. On va donc changer notre table de formation en service. On va mettre Hashtag Services. Donc, on va changer formation à Hashtag Service. Donc, on va utiliser Alter Table, qui est formation. On va donc changer, on va faire un rename sous. Et je vais mettre le nom ici, le nom de Instex services, voilà, que je vais utiliser pour renommer la table et je vais exécuter. L'exécution à donner a été bonne et je vais vérifier si le nom de la table a changé ici. OK, comme vous pouvez le voir, ici, on n'a plus de formation, mais on a Hashtag Service. Donc ici, si je clique, vous voyez ici, j'ai cliqué sur Information, il y a un petit i qui s'affiche lorsque vous déposez votre curseur sur Hashtag Service. Donc, je clique sur le petit i pour Information, où on me définit ici que dans la table, dans la base de données README, on a la table Instex Service. On a les colonnes. Les voilà, l'ID, URL, nom, description. Il y a des index qui sont créés. L'index ici, pour Primary Key, c'est ID. Donc, c'est l'index qui a été créé sur l'ID. Donc, il n'y a pas de clé étrangère. Donc, il n'y a rien. Mais pour les informations, voilà, vous avez votre Instex Service qui a été ajouté au dépourvu de formation qui était là au départ. J'espère que ça va.
S'il vous plaît, revenez un peu sur cette partie. Moi, je travaille plutôt avec la table à compte. C'est là comment j'essaie de faire mon travail de modification. Tu as la table Je à pas si... compte. Oui, vu que je n'ai pas pu créer les autres tables. Oui. L'interface qui s'est affichée là tout à l'heure, je ne sais pas comment est-ce que vous avez fait pour avoir accès après OK, avoir changé de d'accord. nom. Regardez, quand vous êtes sur la table account, n'est-ce pas? Oui. Lorsque vous posez votre curseur sur account, vous voyez bien, regardez mon curseur, vous voyez qu'il Oui. y a un i, il y a Oui. des trucs pour le, il y a l'icône pour les réglages et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, vous Oui. posez votre curseur en l'opposant au niveau de i pour information, n'est-ce pas? Oui. Vous cliquez. Ça va s'afficher. Oui. D'accord. D'accord. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Je suis en train d'essayer. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, à OK. partir de là, vous avez toutes les informations sur votre table. Les colonnes, les index, les clés étrangères pour pouvoir voir, les clés primaires, ensemble des clés primaires pour pouvoir voir. D'accord. OK. Bien. La dernière chose que nous allons voir ensemble, la toute dernière chose que nous allons voir ensemble est celle de la suppression des tables. Celle de la suppression S'il des vous tables. plaît, Oui. monsieur, pardon, après, vous faites comment vous quitter de cette interface-là après avoir vu les différentes informations? Vous supprimez simplement. Vous Comment supprimez. vous quitter de l'interface lorsqu'on clique sur i devant mon cas? Il dit donc que vous supprimez simplement. Hein? Regardez, là c'est affiché, n'est-ce pas? Supprimer à quel niveau? Moi, je ne Là, vois c'est pas. affiché, n'est-ce pas? Oui. OK. Vous voyez, Oui. après le nom, ouais, ce sont des onglets. Donc, Oui. sur l'onglet, il y a le nom, et à la fin du nom, il y a la croix. Ah, d'accord. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. OK. Donc, je disais que nous allons passer à la dernière instruction que nous allons voir aujourd'hui, qui est celle de la suppression de table. La dernière instruction que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour supprimer une table qui existe dans notre base de données, on va utiliser la clause drop table. Et la syntaxe que l'on utilise est drop table, nom de la table. La partie if exist est optionnelle. Donc, c'est comme lorsque je vous ai montré au départ, lorsqu'on créait la table, il y avait dans create table, après create table, il y avait une partie optionnelle qui était if not exist. C'était pour vérifier au départ. Si la table qui porte ce nom existe déjà, je ne la crée pas. Par contre, s'il n'y a pas de table portant ce nom, je la crée. C'est de la même manière qu'on va utiliser if exist dans ce cas. Si au moment de supprimer la table, je me rends compte qu'il n'y a pas de table, je ne dois pas renvoyer une erreur, je vais juste renvoyer un warning. Par contre, si la table à l'intérieur est à l'intérieur, alors je supprime la table. Donc, supprimer la table si elle existe, je supprime. Maintenant, si je redéfinis la même chose, en mettant la table alors qu'elle n'existe pas, ça va juste me renvoyer un warning pour me signaler que la table en question n'est pas dans le système. Ça ne va pas me renvoyer une erreur. Donc, c'est ce que nous allons faire comme dernière tâche aujourd'hui. Nous allons revenir dans MySQL Workbench. Donc, pour cela, ce que nous allons faire, nous allons utiliser notre syntaxe, on a dit. La clause était drop. Table, n'est-ce pas? Donc, ici, je sais que ma table existe. Donc, je vais utiliser Inchtext, la table Inchtext Services. Donc, Inchtext
services que je vais utiliser et je vais supprimer. N'est-ce pas? Je vais supprimer. Vous voyez que la table est supprimée, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la même commande. Je vais relancer la même commande et vous allez voir qu'il y a une erreur qui sera signalée. Vous voyez bien, je me retrouve ici avec une erreur. On table return hashtag service instance. Ça ne reconnaît pas qu'il y a cette table-là. Par contre, si je viens ici, j'ajoute notre option if exist. Vous allez voir que je n'aurai pas une erreur, mais j'aurai un warning qui va apparaître. Donc, on va même retrouver ici avec un warning qui apparaît au lieu d'une erreur. Au lieu d'une erreur, je vais me retrouver juste avec un warning, donc une sorte d'alarme pour me signaler que la table en question n'existe pas dans dans notre base de données. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Maintenant, dans ce cas, comment vous trouvez la table qu'on a supprimée? Est-ce que le chemin inverse est possible? Vous avez déjà supprimé la table, vous n'allez pas la retrouver. Donc, si vous avez suivi tout le cheminement, vous pouvez recréer. Mais maintenant, pour se rassurer, peut-être que vous pouvez retrouver la table. C'est parfois dans les systèmes, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des systèmes de sauvegarde. Donc, te rassurer que tu donnes un délai d'expiration au système pour supprimer totalement les données que tu as mises dans la fabrique. De manière à ce que tu peux revenir récupérer les données au cas où tu voudrais les réutiliser. On donne un délai de suppression. Mais si c'est supprimé de la manière. De cette manière, si vous ne pouvez pas avoir accès aux données. Est-ce que là, ça va? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Eh bien, vous dites? Eh bien, je vous remercie pour... Oui? Monsieur, s'il vous plaît, Oui? est-ce que vous allez alors nous apprendre la méthode qui permet de créer une corbeille pour sauvegarder les tables quelques supports? Non, là, ce n'est pas à ce niveau-ci. C'est dans le système que vous mettez en place, que vous définissez s'il y a des corbeilles ou Ah, d'accord. pas. D'accord. OK. Bon, nous sommes arrivés au terme de notre session de ce jour. J'espère que vous avez appris davantage et que ça contribue à vos révolutions. Donc, la semaine prochaine, lors des prochaines séances, nous allons avancer et que ça va devenir de plus en plus sérieux. Donc, ça va devenir un peu plus sérieux qu'aujourd'hui. Et il y aura encore de nouvelles notions à apprendre. Donc, vous allez essayer de travailler et probablement d'ici la fin de la semaine, vous aurez un QCM. Un QCM, vous allez devoir faire qui portera sur tout ce que nous avons vu depuis la partie introductive jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée. Donc,